On n'a jamais connu autant de croissance économique. Mais et où tout cet argent-là? Bien là, on va taxer les entreprises. C'est des riches. Non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est mobile, une entreprise. Et c'est pour ça que personne n'est taxe. Il faut suivre le reste, quoi. Les entreprises vont s'en aller. Oui, mais elles s'en vont déjà. On fait rien et elles s'en vont déjà. Combien de fois les ministres bondissaient dans mon bureau pour se dire, « Monsieur Bellan, telle entreprise va se vendre, il faut faire quelque chose. » En 2004, le salaire moyen, c'était 2 piastres au Mexique, puis c'était 61 cents en Chine. C'est pas vrai qu'on va bâtir la concurrence là-dessus, là. Le marché du travail, on cherchait une entreprise qui nous permettait d'y rester très longtemps. Aujourd'hui, ce monde-là est terminé. Là, on est en train de perdre des milliers d'emplois, là. C'est remplacé par des emplois de misère. On vit présentement les contre-coups du libre-échange. Tout le monde s'en va en Asie, ainsi de suite. C'est quoi votre position là-dessus? Moi, je suis libre-échangiste, mais je suis aussi humaniste. Mais entre un parti qui propose encore une intervention de l'État à tout grain. On nous a assez reproché d'être près des syndicats, mais il y a la moitié de la population qui est syndicat. Et l'autre parti qui dit non, l'État intervient pas. On est plus à la droite. Économie collectiviste, pas souhaitable, pas pratique, pas rentable. Ça, c'est une droite qu'on n'entendait plus au Québec après Duplessis. Où est passée la ferveur de la Révolution tranquille? Si c'est l'État qui est responsable de tout, qui doit tout gérer, tout financer et répondre à tous les besoins, non, on peut pas. Donc, il faut être conscient qu'on est à la croisée des chemins. Si les gens refusent ce débat-là, ben, on verra ce qui arrivera dans l'avenir.